Hey, salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la saison 2 de la carrière manager gestion avec le Racing Club de Lens. Alors je vais vous présenter les recrues, le mercato comme d'habitude, historique des transferts. Alors tac, dans l'ordre. J'ai acheté Rulli pour 13 millions, j'ai vendu Farinhas pour 15 millions, j'ai vendu Rulli. Je sais pas comment on dit, Roule, j'en sais rien. Il voulait partir et il a demandé à partir, du coup j'ai laissé partir pour 8 millions 4 à Brighton. J'ai vendu Gianluca pour 20 millions, c'était pas prévu mais j'ai reçu une belle offre. J'ai acheté Luke Hadding pour 26 millions 5, je trouvais ça sympa de faire revenir un ch'ti à Lens, même s'il est lillois, mais bon c'est pas grave. J'ai vendu Ducrot pour 2 millions, j'ai pris Twanzebe en prêt de Manchester. J'ai vendu David Costa a Fenerbahçe pour 8 millions. Pareil, il voulait partir, il voulait pas rester. J'ai acheté Demir Bay pour 22 millions 7. J'ai vendu Camara pour 700 000, Baldé pour 700 000 aussi, Poreba pour 1 million 1. J'ai acheté Théâtre pour 12 millions 8. J'ai vendu Merlin pour 8 millions. Voilà le mercato. J'ai pas beaucoup d'effectifs, mais je pense que vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ça devrait le faire. Du coup, la compo, c'est Rulli dans les buts. Gusto à droite. Diomandé, Danso, Medina en défense. Digne à gauche. Demir Bay, Fofana au milieu de terrain. Wai, Doku et Afif à gauche. Remplaçant Frankowski, Théâtre, Twanzebe, Onana, Samba, Openda et El Shaarawy. Du coup, je pense que c'est pas mal. Les objectifs de cette année, c'est. Je sais pas, j'ai pas été voir. Se qualifier en Ligue des Champions, mais ils sont fous eux, et atteindre les huitièmes de finale de Coupe de France. Ça va être dur de se qualifier en Ligue des Champions. En Europa League, d'accord, mais en Ligue des Champions, j'ai des doutes. Du coup, je vais simuler la première partie de saison, puis on se retrouve à mi-parcours. Et on se retrouve à la mi-saison pour un premier bilan. On va commencer par le résultat en championnat. Et on est cinquième, avec 4 points d'avance sur la 7ème place et 3 points de retard sur la deuxième, sur la 3ème. Donc pour l'instant on est dans les clous, c'est plutôt pas mal. On va aller voir les progressions des joueurs, si ça a bien progressé ou pas. Alors, les stats. Pourquoi il n'y a rien? Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas de stats. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Là, je comprends pas le bug. On a bien joué, oui. Et il y a zéro but. C'est quoi ce délire? Accueil équipe. 19 matchs. Alors, il y a des trucs. Ah, je préfère ça. Meilleur buteur, Afif 11, Demir Bay 7, Fofana 5. Meilleur passeur, Doku 4, Digne et Demir Bay, Afif 3. Meilleur joueur de l'équipe, c'est Rulli et 82 et Digne. Fofana 81, Demir Bay 81. Doku 80 plus 2, Afif plus 1, 80. Danso plus 2, 80. Gusto plus 1, 78. Diomandé plus 2, 78. Wai plus 1,78. Openda plus 2,78. Théâtre plus 1,77. Onana plus 1,77. Puis le reste c'est pareil. Du coup pour l'instant c'est plutôt pas mal. Les progressions ça pourrait être un peu mieux. Mais bon c'est pas trop mal. Du coup je vais simuler la deuxième partie de saison. Puis on se retrouve pour le bilan de la saison 2 et le gameplay final. Et on se retrouve pour le bilan de la saison 2. Alors, championnat, on a fini 5e à 2 points d'avance sur Nice. On peut encore. Ah non, c'est mort. On a 3 points de retard, mais 4 buts de retard. Donc, c'est mort. Au mieux, on peut finir 5e. 5e. Donc, petite Europa Conférence pour la saison prochaine. La Coupe de France. En 16e, on a sorti Montpellier 2-1. Ensuite, on s'est fait sortir 4-1 par le PSG. On n'a pas eu de chance de tomber contre Paris direct. On va aller voir progression et stats des joueurs. Accueil.
Meilleur buteur, Afif 16, Doku 13, Demir Bay 11. Meilleur passeur, Afif 10, Demir Bay 6, Ding 5. Meilleur joueur, c'est toujours Rui Ding. Fofana plus 1, 82. Doku plus 3, 81. Afif plus 2, 81. Oui, 81. Gusto plus 2, 79. Danso plus 2, 79. Medina plus 1, 79. Wai plus 2, 79. Openda plus 3, 79. Diomandé plus 2, 78. Onana plus 2, 78. Frankowski plus 1, 78. Théâtre plus 1, 77. Puis le reste, c'est pareil. Bon, maintenant, on va faire le petit gameplay contre Nantes. Faut gagner hein, pour être sûr d'être cinquième. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais viré. Il m'a fait peur lui. Mais c'est pas plus mal de pas être en Ligue des Champions dès la saison prochaine. Je pense qu'on aurait été trop juste. Ultime. Gestion d'équipe. Ça nous laisse le temps de bien construire. On va partir avec l'équipe comme ça. Hein. Ça nous laisse le temps de bien construire l'équipe, de bien se renforcer. Du coup, pendant que ça charge, comme d'habitude, hein, on appuie sur le pouce bleu, on s'abonne. Et si tu as une équipe que tu as envie que je fasse en carrière gestion, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ah, ça va changer les touches encore. Faut que je remette mes touches parce que moi je joue en alternatif. Son nom est évidemment dans tous les esprits avant. On va faire ça tout de suite avant que j'oublie. Commande. Alternatif. Et on va régler le son parce que là ils m'ont redéréglé le son. Audio. Volume des commentaires 2, ambiance dans le stade 1, voilà. On est parti pour le dernier match de la saison 2. On est parti. En plus, on est à Bollard, c'est bien. Malo Gusto, Fofana, Demir Bay. Le contrôle, il est lent. Il a une caravane au cul, lui. Décroche pas. Et aujourd'hui, c'est le dernier match de la saison pour les deux équipes. Et on espère qu'elles auront au cœur de terminer en beauté. Putain, mais ça accélère pas, c'est quoi ce délire? Oui, il s'agit du premier but en faveur Ils sont de tout lents les Dijon. joueurs. Un but à zéro, donc, après quatre petites Dijon minutes qui de ouvre le jeu score et de à maîtrise de la Lille. Et situation. nous, on perd le ballon. Putain. Bien défendu ça, Danso. Fofana, Doku, Demir Bay qui s'est projeté un petit peu. Oh les Afif qui régale. Petite passe en retrait. Poteau rentrant, il s'est fait 1-0. Elie Wai. Sur notre première frappe. Hop, la petite passe. Il se retourne, il frappe au premier poteau, poteau rentrant, 1-0. Septième but. Vas-y, coup de physique, bien joué. Du coup, il va passer, il va y aller tout seul. Et poteau rentrant encore, 2-0. C'est très bien ça. 15 minutes de jeu, 2-0. On fait là un petit break. Oui, c'est le premier but pour Saint-Étienne. Un but à zéro donc. Et on joue ici depuis Allez, faut la récupérer les gars, la balle. Oh merde, il va tout seul. Bien joué, Rouli. Sissoko pour frapper le corner. Oh l'arrêt encore. Comme d'hab, j'ai beaucoup de mal à défendre sur les corners.
Putain, mais j'arrive pas à la prendre de la tête, hein. J'ai beau savoir où elle tombe la balle, j'arrive pas. Ah, ça y est, j'ai réussi là. Bien joué. Duffy. Marcus Coco. Non, la mauvaise relance. Et c'est à côté. Medina. Diomandé. Malo Gusto. Vas-y, Doku. Vas-y, tout seul, hein, mon gars. T'es pas attaqué. C'est quoi leur défense, là? Oh, l'arrêt du gardien, le salaud. Putain, leur défense, elle est nulle. Tant mieux pour moi, mais... Il y a des espaces sur les côtés. Hop là, on récupère la balle. C'est Seko Fofana. Wai. Demirbay, Fofana... Wai encore, qui perd le ballon. Il s'agit du premier but en faveur de Monaco. Un but marqué par Wissam Ben Yedder. Allo Gusto, vas-y. Fofana. Après 33 minutes de jeu. Allez, Doku. Ah, la mauvaise prise de balle. Wai. Oh, dommage, j'ai cru que j'étais passé. Demirbay. La frappe et 3-0. Et 2 et 3-0. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur est trouvé, l'attaquant. Elle est pas si mal que ça, mon équipe, pour l'instant. À la saison prochaine, je sais pas quel poste je vais renforcer, mais c'est peut-être un gros défenseur central. Et un gros milieu de terrain pour remplacer Demirbay. Il va descendre dans la hiérarchie, il va être doublure. Il faut Fofana, dégage ça, bien joué. Afif. Demirbay. Vas-y, t'es pas attaqué, hein. On va essayer de marquer. Et 4-0. Tout droit et on marque. C'est extrêmement faible, Nantes. 4-0. Doublé de Demirbay. Ah, j'ai cru que j'avais récupéré. Bien joué, Danso. Mi-temps 4-0. Le boulot est fait. Alors, quel changement on va faire? On peut se permettre de faire jouer Théâtre un petit peu. Faire jouer El Shaarawy, histoire de... Openda, j'ai envie de tester. Et Onana à la place de Demirbay. Du coup, je réinverse les postes. C'est vraiment bien qu'on puisse faire 5 changements. Ça permet de bien faire tourner l'équipe, donner du temps de jeu à pas mal de joueurs. El Shaarawy digne. Ouais, El Shaarawy, il manque de tranchant. Hein. Ah, le mauvais contrôle, Openda. Merde, j'ai pas choisi le bon joueur. Bien joué ça, demandé. Fofana. Théâtre. El Shaarawy. Par-dessus là-haut, j'ai vu qu'il est parti. Oh, elle est bonne la balle. Oh, le bon ballon. Deux coups pour le 5-0. Et 5-0. Ah, le ballon en profondeur, il est beau. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Belle passe par-dessus la défense de Openda. Dans la course, parfaite. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Bien joué, Gusto.
et le ballon est repris. Alors il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Fofana. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur. Oh, il a voulu me faucher, tu m'as loupé. Hop là, Ding. El Shaarawy en profondeur. Personne dans la surface. Fofana. On va tenter une frappe enroulée. Ah, dommage. Elle a pas tourné comme je voulais. Le staff décide donc de faire un changement. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Bien joué, Onana, Fofana, Ding pour El Shaarawy, Openda, El Shaarawy, et 6-0. Putain, mais il n'y a pas de défense à Nantes, il y a des trous énormes. Marcus Coco qui sort. Je sais pas, on va en mettre combien, mais tant qu'on peut en mettre, on va en mettre. Hein. 6-0. Moi qui disais que c'était mort pour la troisième place, bah si Lyon fait un faux pas, on leur passe devant. Enfin, pour la quatrième, pas la troisième. Merde. Pour essayer de lui prendre. Bien défendu. Ah merde. Bien joué. Fofana, El Shaarawy. Du coup, je suis curieux de voir si Lyon gagne. Doku. Openda. Oh, le bon contrôle. Oh, l'arrêt, dommage. Il méritait de marquer sur le contrôle. Pourquoi il me remonte ça, lui ? El Shaarawy est bien frappé. Ah, j'ai cru qu'il y avait 7-0 là. Vas-y, frappe. Ah, elle est molle. Elle est molle. Vas-y, Malo Gusto repasse devant. Bien joué. C'est Kofofana. Non, Onana. Là, c'est Fofana ce coup-ci. Openda. Et 7-0. Putain, mais y'a rien, c'est pas possible. Il y a des attaquants dont c'est la spécialité. Ce genre de but dans les 6 mètres. C'est un art de l'anticipation et de l'intuition. C'est pas possible d'être aussi faible. Bah, presque impossible. C'est impossible. T'es mené 7-0 à 5 minutes de la fin. T'es peut-être mettre un but ou deux, mais c'est tout. Hein. Surtout qu'ils n'ont pas d'occasion. Ça, Sissoko. El Shaarawy, vas-y, sors le ballon. Putain, merde. Je voulais qu'il l'emmène. Bien joué, ça. Bien défendu. Hop là, Ding pour Seko Fofana. Ding. El Shaarawy en profondeur, c'est bien donné, ça. Pour deux coups. Oh, l'arrêt, dommage qu'elle passe pas sous les jambes. Ah, si elle passait entre les jambes, le but, il aurait été magnifique. Mais victoire 7-0. C'est vraiment très très faible, Nantes. Hein. 13 tirs. Lyon 1 partout. Ah, je sais pas si on leur passe devant. Si on avait 1 ou 2 points de retard. Avec, bah, même 2 points, c'est bon. Ah, on avait 3 points, je crois. Classement. Ah, 5e. Dommage. Ils auraient perdu au goal avérage. On repassait devant. Avec notre grosse victoire. Mais dommage. Ils ont arraché au moins le match nul. Du coup, non. Et je vais voir un truc. C'était bien en ultime. Parce que ça me paraissait vraiment très faible. Personnalisé. Paramètres. Ultime. Oh putain. Ils étaient vraiment nuls, Nantes. Du coup, la vidéo s'arrête sur une victoire fleuve, sur un score fleuve. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.